En juin prochain, la famille royale britannique fêtera dignement les 75 ans du débarquement en Normandie. Si la reine Elisabeth a choisi de ne pas voyager, son fils aîné et son épouse, eux, seront en France. 75 ans, ça se fête. Le mois prochain, le monde entier célébrera les 75 ans du débarquement de Normandie. À cette occasion, la famille royale britannique fera un détour par la France, comme révélé par la journaliste Rebecca English, spécialiste royale pour Daily Mail. Le 6 juin prochain, le prince Charles et son épouse Camilla Parker Bowles assisteront aux commémorations des événements en Normandie, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron et de diverses autres personnalités. La reine Elisabeth, quant à elle, a choisi de ne pas voyager. L'épouse de Philippe commémorera les événements depuis Portsmouth, point d'embarquement mythique du débarquement de Normandie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements du Troisième Reich ont causé la mort de plus de 930 personnes originaires de Portsmouth. Emmanuel Macron divise depuis quelques jours, la présence d'Emmanuel Macron en Normandie le 6 juin prochain fait grincer des dents, et provoque l'indignation de bon nombre de Français. En marge de l'événement commémoratif auquel assisteront Charles et Camilla, une autre commémoration internationale se jouera à Colville-Montmaugéry, en présence des derniers vétérans. Mais comme le soulignent nos confrères du Parisien, le choix du chef de l'État est loin de faire l'unanimité. Times through the rough times I